Lettre ouverte du Père Barbara à la Fraternité Saint-Pédis, tirée de la revue trimestrielle de catéchèse catholique, Fort dans la foi. Dépôt légal, premier trimestre 1992. Voici d'abord le sommaire de cet article. 1. Raison profonde de notre désaccord. 2. Ce que les catholiques fidèles étaient et sont encore en droit d'attendre de vous. 3. Mgr Lefebvre et le témoignage de la foi. 4. La résistance catholique trahie par Écône. Conclusion. Mgr Lefebvre aurait-il compromis son salut éternel? Lettre ouverte à M. l'abbé Franz Schmidberger, supérieur général, à leurs excellences Bernard Tissier de Malleret, Richard Williamson, Alfonso de Galarreta, Bernard Fellé, Licinio Rangel et à tous les membres de la Fraternité Saint-Pédis. Votre Fraternité Saint-Pédis et ceux qui sont dans votre dépendance posent de très graves problèmes à la conscience catholique. Pour les régler entre nous, en privé et non sur la place publique, j'ai voulu organiser des journées d'études doctrinales. Sans croire que nous pourrions régler tous les problèmes, j'étais et je demeure persuadé que des prêtres catholiques de bonne volonté doivent être capables d'arriver à un accord, au moins sur les raisons qui justifient notre résistance au pape de Vatican II. Ma conviction repose sur la foi. Une Église qui n'aurait pas une réponse certaine à une question qui conditionne le salut éternel de ses fils ne saurait être l'Église du Christ. Qui aurait participé à cette rencontre? Pour la Fraternité, ceux que vos supérieurs auraient désignés. De mon côté, j'avais indiqué les deux ou trois confrères qui auraient pu m'accompagner. Pour ces journées, depuis le début de l'année 1988, je n'ai cessé d'écrire à vos supérieurs ou de les contacter par téléphone. Au moment des sacres, le bruit courut que Mgr Lefebvre était hésitant. J'écrivis alors à M. l'abbé Lawrence. Je lui demandai d'intervenir auprès de Mgr pour lui faire comprendre les raisons qui militaient en faveur de ces sacres après une déclaration libératrice. Je ne sais si la démarche souhaitée a été faite, votre confrère n'ayant même pas accusé réception. Le 27 juin, sur le conseil de M. l'abbé Aulagnier, à qui j'avais téléphoné, j'écrivis directement par poste éclair à Mgr Lefebvre. Je l'encourageai à procéder au sacre et à déclarer publiquement qu'il rompait avec Jean-Paul II, l'Antichrist. Je ne vous l'apprends pas. Mgr n'a tenu aucun compte de ma suggestion, et lui non plus, ne m'a pas répondu. J'apprenais par la suite que je n'avais pas été seul à presser Mgr de rompre avec Jean-Paul II. Son Excellence Mgr Antonio de Castromayer, ancien évêque de Campos, était lui aussi de cet avis. Il s'en était même ouvert à votre fondateur. Ce dernier refusa. Ce qui n'empêcha pas le prélat brésilien, le jour des sacres, en traversant la foule des fidèles, de dire à la cantonade, pour être entendu, « Nous n'avons pas de pape! Nous n'avons pas de pape! » J'en ai eu confirmation de deux sources différentes. La première, en Belgique, à Steffenshausen. Au cours d'une conférence que je donnais sur la crise de l'Église, un auditeur, surpris de m'entendre déclarer que Jean-Paul II ne pouvait être un vrai pape, puisqu'il n'en possédait pas l'autorité, se leva pour crier, citation, « Vous savez bien, révérend père, que Mgr Lefebvre dit exactement le contraire. » Fin de citation. Monsieur l'abbé Paul Schoenbrout, chez qui nous étions, ne me laissa pas le temps de répondre. Se levant, il déclara, citation, « Le révérend père n'a fait que dire tout haut ce que Mgr Lefebvre pense, mais ne dit pas. » Il ajouta, « Le jour des sacres, après la cérémonie, je suis allé trouver Mgr Lefebvre. Excellence, lui dis-je, en mon nom et au nom des fidèles de langue allemande qui m'ont accompagné pour les sacres,
je viens vous dire notre étonnement et notre déception. Nous nous attendions à une franche déclaration de rupture avec Jean-Paul II. Votre confrère, Dom Antonio de Castromayer, ne se gêne pas pour dire à qui veut l'entendre « Nous n'avons pas de pape ». « Oui, répondit Monseigneur, des prêtres de Campos m'ont demandé de le dire. Mais une telle déclaration nous ferait perdre trop de monde. » Fin de citation. La seconde confirmation provient aussi de Belgique. C'est un jeune homme qui l'a signée et me l'a envoyée. La voici. Citation. À l'issue d'une conférence donnée à Bruxelles par Mgr Lefebvre, j'ai eu l'occasion de rencontrer un prêtre qui, me connaissant, m'a fait part d'un entretien qu'il avait eu avec cet évêque. Le prêtre a dit à Mgr Lefebvre, citation, « Je connais un jeune homme qui pense que Jean-Paul II n'est pas pape. » Le prélat des Cônes répondit, « Je pense que ce jeune homme a raison, mais je ne peux pas le dire. » Parce que cela ferait du tort à nos prieurés et à mes séminaires. » Fin de citation. Après les sacres et le lâchage de tous ceux qui sont allés constituer la Fraternité Saint-Pierre, l'ambiance semblait avoir changé chez vous. J'en profitais pour reprendre mes démarches en faveur de la concertation doctrinale. À un moment, j'ai cru que le projet allait enfin aboutir. En effet, M. l'abbé Aulagny m'écrivait son accord de principe. Au cours d'une rencontre dans la région parisienne, je l'avais pressé de m'obtenir un rendez-vous de votre supérieur général, auquel j'écrivais personnellement pour solliciter une rencontre. Dans un premier temps, M. l'abbé Schmidberger accepta, mais, comme il devait s'absenter un bon mois, il me demanda d'attendre son retour. Ne recevant plus aucune nouvelle, après 2 mois, je le relançai, lui rappelant sa promesse. Le 23 décembre, il me répondit par un billet, citation, « Je ne désire pas entreprendre les discussions que vous souhaitez. » Fin de citation. Sans me décourager, j'ai encore continué à prendre des contacts avec ceux d'entre vous que je pouvais atteindre discrètement. Toujours pour amorcer la concertation doctrinale, je publiais, au début de 1991, une étude originale, dans laquelle je distingue clairement le problème que les papes de Vatican II posent à la conscience catholique et la réponse que la foi lui apporte, d'avec les explications que chaque théologien peut donner de cette anomalie conciliaire. Cette distinction pourrait réaliser l'union de tous les résistants. En effet, elle ramène la vacance du Saint-Siège depuis Paul VI à une simple question d'opinion. Tous, par contre, reconnaissant que les papes de Vatican II auxquels nous résistons ne sont pas revêtus de l'autorité pontificale. J'ai envoyé ce numéro de la revue à tous ceux d'entre vous dont j'avais l'adresse. Plus de 100. 15 jours après, j'écrivais à chacun une lettre pour attirer leur attention sur l'importance de ce numéro et, pour amorcer la concertation, je terminais ma lettre par quelques questions toutes simples. Pas un seul n'a eu la correction de me répondre. Malgré ce silence méprisant, le 2 août, j'écrivais à nouveau. Non plus à tous, mais seulement à ceux chez qui je pensais pouvoir trouver un peu plus de droiture, de compétence et d'esprit sacerdotal que chez les autres. Vos 4 évêques, et messieurs les abbés Paul Aulagny, Alain Laurence et Michel Simoulin. Seul Mgr Tissier de Malleret eut la correction de me répondre avec cette précision que je n'ai pas oubliée. Citation. Pour ne pas être goujat à votre égard. Fin de citation. Comme vous pouvez l'imaginer, sa lettre me réjouit. Le dialogue allait enfin pouvoir s'instaurer. Malheureusement, nous n'avons échangé que 2 lettres. J'attends toujours la réponse à mon courrier du 1er octobre. Peut-être que Monseigneur, craignant de trop se singulariser, a préféré rejoindre la troupe des goujats. Alors, après 3 années d'efforts inutiles, je me rends à l'évidence. Dans votre fraternité, aussi bien chez votre fondateur que chez votre supérieur général, ou chez aucun d'entre vous,
Je n'ai pu trouver un seul prêtre au cœur vraiment sacerdotal, à l'image de celui du Maître. Qui, parmi vous, a jamais accepté de se pencher sur la souffrance de nos fidèles pour essayer de la soulager ou au moins de la comprendre? Chez tous, je n'ai rencontré que légèreté ou indifférence arrogante à l'égard de tout ce qui n'est pas la fraternité Saint-Pie-X. Ce comportement, grotesque s'il n'était lamentable, un des vôtres, Monseigneur Tissier de Malleret, a eu la loyauté de me l'exprimer en clair dans sa lettre du 17 août. Citation. Nous ne changerons pas de position, c'est à vous d'adopter la nôtre. Fin de citation. N'entrevoyant plus la possibilité d'une explication discrète, je vais vous dire publiquement ce que vous n'aurez pas voulu entendre dans la discrétion d'une réunion sacerdotale. Je libérerai ainsi ma conscience et j'éclairerai mes lecteurs. Pour commencer, je vous rappellerai la raison profonde de tous nos désaccords, l'occupant actuel du Saint-Siège. Je vous dirai ensuite ce que les catholiques fidèles étaient en droit d'attendre hier de Mgr Lefebvre, aujourd'hui de votre fraternité. Nous verrons comment Mgr esquiva le témoignage qu'il aurait dû porter, et nous constaterons qu'en fait, et qu'on continue à tromper la résistance catholique. Pour conclure, j'évoquerai les raisons qui me permettent de douter sérieusement du salut éternel de votre fondateur et qui compromettront aussi le vôtre. 1. Raison profonde de notre désaccord. Vous refusez d'admettre que la résistance publique et obstinée aux ordres formels du pape régnant constitue un problème de foi qui engage le salut éternel. Malgré ce refus obstiné, pressé par les nécessités, vous continuez d'agir sans vous rendre compte que vous vous installez dans une situation qui n'est pas morale. S'il ne s'agissait que de vous, il serait permis de vous abandonner à votre propre sort, puisque vous vous refusez obstinément à toute correction fraternelle. Mais il s'agit des âmes que vous entraînez dans un comportement qui n'est pas catholique, et surtout de la résistance catholique que vous abusez par aveuglement grave et conscient. En tout cela, la responsabilité de votre fondateur est si grande qu'au regard de la foi, il est permis de s'interroger sur son salut éternel. Avant d'aborder ces questions délicates, laissez-moi vous répéter, une fois encore, que c'est vous qui m'avez contraint de vous dire tout cela publiquement, puisque vous vous êtes refusé de l'écouter dans la discrétion d'une discussion privée. Votre comportement n'est pas moral. Consultez n'importe quel auteur catholique, vous apprendrez que toujours, mais surtout quand il s'agit d'empiéter sur le bien d'autrui, il est immoral d'agir sans avoir une conscience certaine de son bon droit. Ce principe élémentaire naturel, vous en faites littéralement litière. Et, comme l'habitude est une seconde nature, ce comportement est devenu pour vous une chose si naturelle qu'elle va de soi et n'a pas plus besoin d'être justifié qu'un principe premier. Ne pensez pas que j'exagère. Le 23 décembre 1988, votre supérieur général, M. l'abbé Franz Schmidberger, me l'a écrit, vraisemblablement, sans remarquer la gravité de son propos. Citation. Notre résistance à l'autorité suprême n'a pas d'autre motif que la foi catholique, déserté par cette autorité et à maintenir coûte que coûte, sans que nous ayons à juger la situation canonique de la papauté. » Fin de citation. Ainsi, pour votre supérieur général et pour vous, bien que cette autorité suprême ait déserté la foi catholique, elle demeure toujours l'autorité, le pape, c'est-à-dire la règle prochaine de la foi, sans que vous ayez à juger de sa situation canonique. Pour votre supérieur général et pour vous,
que Paul VI hier, Jean-Paul II aujourd'hui, soit pape ou qu'il ne le soit pas, c'est tellement secondaire, tellement accessoire, de si peu d'importance, que vous négligez de vous en occuper comme on néglige délibérément une chose superflue qui pourrait nous distraire de l'essentiel. L'essentiel, pour vous, c'est la foi. La foi catholique, citation, à maintenir coûte que coûte. Fin de citation. Certes, ce n'est pas moi qui vous reprocherai de vouloir maintenir la foi catholique, mais pas coûte que coûte. Du moins, pas dans le sens où vous entendez cette expression. Que Jean-Paul II soit canoniquement pape ou qu'il ne le soit pas. En effet, on ne peut pas défendre la foi en transgressant la foi. Non faciamus mala ut veniat bona, dit l'apôtre dans Romains 3, verset 8. Non, il n'est pas permis, même pour défendre la foi, de faire quelque chose qui, citation, attire la malédiction de Dieu, fin de citation, sur ceux qui la défendent. Si le pape est vraiment pape, s'il est le vicaire du Christ, et pour vous, il l'est, puisque, malgré vos évêques, vos séminaires et votre université, vous vous reconnaissez incapable de faire la preuve du contraire. Vous ne pouvez pas lui résister, comme vous le faites publiquement, sans offenser gravement le Christ, sans pécher mortellement. De plus, le refus systématique que vous opposez à l'étude de ce problème autorise à douter sérieusement de votre bonne foi. Vous savez très bien que de poser seulement ce problème vous obligerait à le résoudre. Or, c'est justement ce que vous appréhendez le plus. Vous êtes tellement persuadé que les papes de Vatican II sont vraiment papes, qu'ils sont vraiment revêtus de l'autorité du Christ, que, pour vous, avec les idées fausses qui vous ont été inculquées sur l'infaillibilité du magistère, découvrir la vraie doctrine de l'obéissance vous obligerait à vous soumettre aux directives de ces papes et, comme vous l'avez fait savoir Paul VI, à cesser sur le champ toutes vos activités. Vous ne pourriez les continuer, ces activités. Vous le sentez confusément, que si vous étiez capable de dire et de prouver que ces papes ne le sont pas vraiment, qu'ils n'en détiennent pas l'autorité. Or, vous en êtes incapable. Incapable à cause de la doctrine sur le pape qui vous a été enseignée à Écône. Incapable aussi à cause de l'humilité qu'il vous faudrait pour reconnaître qu'à ce sujet, vous vous êtes trompé. Et pourtant, pour comprendre cette exigence de la foi théologale, il suffit de croire la parole de Dieu et de lire Saint Paul, citation. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre établi par Dieu, et ceux qui résistent attirent sur eux la malédiction. Fin de citation, dans Romains 13, 1 à 2. Parmi toutes ces autorités instituées par Dieu, je ne vois vraiment pas pour quelle raison vous vous obstinez dans votre fraternité à exclure celle du pape. Si les mots ont un sens et si l'apôtre n'a pas parlé pour ne rien dire, il est clair comme le jour en plein midi que, en résistant à l'autorité des papes, c'est à Dieu que vous résistez et c'est sur vous et sur ceux qui vous suivent que vous attirez sa malédiction. Pour nous éviter d'être abusés sur ce point par quelques libres examens, Dieu, dans sa miséricorde, a voulu que les papes d'avant Vatican II nous rappellent que la nécessité de l'obéissance au pape est une vérité de foi divine, indispensable au salut. Qu'il me suffise de vous donner deux citations. La première de Boniface VIII, citation. Nous déclarons, disons, définissons et proclamons qu'il est absolument nécessaire au salut de toute créature humaine, d'être soumise au souverain pontife. Fin de citation. La seconde, de Pie XI, citation. Dans cette unique Église du Christ,
Personne ne peut demeurer, personne ne peut persévérer s'il ne reconnaît pas et n'accepte pas l'obéissance, l'autorité et le pouvoir de Pierre et de ses légitimes successeurs. Fin de citation. Deuxième point. Pour quelle raison ce problème de foi vous échappe-t-il? Je ne vois qu'une explication. Vous craignez pour vous les conséquences de cette étude et vous n'arrivez pas à comprendre que cette crainte est puérile. Elle n'est pas fondée. Elle provient de toutes les idées fausses que vous avez sur le magistère. Vous semblez ignorer jusqu'à la raison d'être du pape dans l'Église et, sur l'étendue de son autorité comme sur celle de son infaillibilité, vous avez des idées qui ne sont pas catholiques. Quoi qu'il en soit de la vraie raison, le fait est là. Aussi longtemps que vous continuerez à agir sans résoudre ce problème au préalable, vous vous mettrez en opposition avec la parole de Dieu rapportée par saint Paul. En effet, quelques expédients pratiques que vous avanciez pour éluder cette difficulté, votre comportement demeurera un comportement schismatique et vos raisons hérétiques. Vous ne sortirez de cet embarras qu'en adhérant à la vérité. Veritas liberabit vos. Vous vous êtes pratiquement enfermé dans un faux dilemme. Pour vous, ces papes, élus normalement, sont nécessairement de vrais papes et possèdent réellement l'autorité de Pierre, qui est l'essentiel de la papauté. Dès lors, que vous leur obéissiez, comme le commande saint Paul, ou que vous leur résistiez, comme l'ordonne la foi, vous aboutissez inévitablement à une absurdité blasphématoire. Dans les deux cas, vous mettez Dieu en contradiction avec lui-même. Dans le premier, en vous commandant de vous soumettre, c'est-à-dire d'accepter les nouveautés, Dieu vous mettrait dans l'obligation de pécher contre la foi. Dans le second, il vous commanderait de résister à celui auquel, par ailleurs, il vous oblige d'être soumis, sous peine d'encourir sa malédiction. Devant cette voie sans issue, au lieu de réexaminer vos raisons pour sortir de la difficulté dans laquelle vous vous êtes enfermé, vous avez préféré adopter la politique de l'autruche. Comme cet animal stupide, lui par nature, vous par libre choix, vous avez décidé qu'il n'y avait pas de danger quand on refusait de le voir. Alors, sans vous soucier de la morale, qu'au dire de votre théorie, vous ne pouvez pas transgresser puisque vous défendez la foi, vous vous étourdissez dans l'action. Il vous serait pourtant si facile de sortir de cette situation. Comment? En vous soumettant humblement, en esprit de foi, à la doctrine certaine de l'Église sur le pape. Cette doctrine n'est pas à inventer, elle existe. Il vous suffit de l'étudier et d'avoir le courage que donne la foi pour la pratiquer. Souffrez qu'une fois de plus, je vous en rappelle quelques points indispensables pour régler le problème qui nous oppose. Troisième point, rappel de quelques points de la doctrine catholique. La foi. Elle nous fait adhérer à la parole de Dieu. Sous l'influence de cette vertu théologale, la volonté incline notre intelligence à accepter le témoignage de Dieu et à le tenir pour vrai, et pour certains, malgré toutes les apparences contraires qui la détourneraient d'y adhérer. Cette vertu, racine et fondement de la justification, s'opère, comme vous le savez, par un seul péché contre elle. Rappelez-vous le cas d'Hyménée et de Philette. Ils ont fait naufrage dans la foi, et pourtant, ils ne niaient qu'un seul dogme. Le pape Léon XIII vous en donne la raison. Citation. Car telle est la nature de la foi, que rien n'est plus impossible que de croire ceci et de rejeter cela. Celui qui, même sur un seul point, refuse son assentiment aux vérités divinement révélées, très réellement abdicte tout à fait la foi, dans Satis Cognitum. Fin de citation. La foi, je l'ai déjà rappelé, est le fondement et la racine de la justification.
En faisant perdre cette racine et ce fondement, le péché contre la foi sépare si profondément du Christ celui qui le commet, qu'il le retranche totalement de son corps mystique, qui est l'Église. À l'inverse de tous les autres péchés qui font perdre la robe nuptiale, tout en laissant le pécheur dans la salle du festin, le péché contre la foi l'en fait sortir. La foi perdue, les activités les plus saintes, comme de fonder des séminaires et des universités, de construire des églises et des écoles, de sacrer des évêques et d'ordonner des prêtres dans le rite traditionnel, d'ouvrir des centres de messe de Saint-Pie-V et de courir le monde pour donner les sacrements ou, si vous préférez, les exemples de l'Évangile, prophétiser, chasser les démons et faire de nombreux miracles au nom de Jésus. Tout cela est sans valeur aux yeux de Dieu, si ceux qui les font ont chaviré dans la foi sur un seul point. Reprenez l'Évangile. Ceux que le Maître nous donne en exemple croyaient sincèrement, eux aussi, que toutes leurs œuvres merveilleuses, soit prophétiser au nom de Jésus, chasser les démons en son nom et, toujours en son nom, faire de nombreux miracles, avaient de quoi les rassurer. Ils pensaient certainement qu'elle leur mériterait une belle place au ciel. Imaginez avec quelle stupeur ils entendirent le souverain juge, citation, leur dire hautement, « Je ne vous ai jamais connu. » Fin de citation. Et pourtant, nous ne pouvons en douter. Le bon pasteur connaît ses brebis. Ceux à qui il répondra, « Je ne vous ai jamais connu », n'étaient donc pas de sa bergerie, malgré toutes les apparences contraires. Laissez-moi le souligner, on peut faire des œuvres merveilleuses et les faire au nom de Jésus, sans appartenir à la bergerie du Christ. Nous venons de l'entendre de la bouche même du Maître. La bergerie du Christ, c'est la maison de la foi. Dans Lettre aux Galates, chapitre 6, verset 10. Pour en être, il faut avoir la foi. Ces malheureux de l'Évangile, étourdis par des œuvres brillantes, des succès faciles et par l'admiration des naïfs, en avaient oublié qu'un seul péché contre cette vertu l'a fait perdre tout entière et que, citation, « sans la foi, il n'est pas possible de plaire à Dieu ». Fin de citation. L'autorité. C'est une délégation que Dieu fait de son domaine sur ses créatures. Cette délégation revêt ceux qui la reçoivent de l'autorité même de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous avertit. Résister à l'autorité établie, quelle qu'elle soit, c'est résister à Dieu qui les a toutes établies. Ses limites. En dehors du Christ qui a reçu du Père tout pouvoir au ciel et sur la terre, les autorités constituées ont tout un domaine limité. Limité tout d'abord par la nature et la finalité de la société pour laquelle le chef a été désigné. Au sujet de cette limite, il faut nécessairement distinguer la nature et la finalité proprement dite, des moyens requis pour conserver cette nature et atteindre cette fin. En toute société, le chef est le premier serviteur. Il n'en est pas le propriétaire. C'est pour cela qu'il a été revêtu de l'autorité de Dieu, pour servir la société en lui conservant son être propre et en stimulant ses sujets en vue de la fin pour laquelle tous se sont associés et que tous doivent promouvoir. Sur la nature et sur la finalité de la société qu'il dirige, le chef n'a aucun droit, aucun pouvoir, aucune autorité pour en changer un iota. L'autorité, avec un grand A, qu'il possède, il l'a reçue pour veiller à ce que personne ne change la nature de la société ou ne la fasse dévier du but pour lequel elle a été fondée, et aussi pour que tous ses membres en poursuivent la fin sans relâche. Par contre, la nature et la finalité de la société étant sauves, le chef a toute liberté, toute autorité, tout pouvoir pour choisir et adopter les moyens qu'il juge bons, de prendre pour conserver la nature et pour procurer la fin de la société.
C'est aussi pour cela, pour le choix de ses moyens, qu'il a été constitué chef. Ces moyens, sans incidence nécessaire sur la nature ou sur la finalité de la société, sont multiples. Le choix de l'un ou de l'autre est libre. Comme pour tout ce qui ne s'impose pas absolument, l'adoption ou le rejet de ces moyens présente des avantages et des inconvénients. Qui ne connaît à leur sujet l'adage antique « Quod homines, tot sententiae » Autant d'hommes, autant de sentiments et d'avis différents. Dans ces cas, qui choisira le ou les moyens qu'il convient d'adopter pour garder l'unité du groupe tout en favorisant la poursuite de la fin? C'est le chef. Il est chef aussi pour cela, pour décider, parmi les moyens libres qui s'offrent à lui, lesquels, à son jugement, garantiront le mieux la nature spécifique de la société et assureront plus efficacement la poursuite de sa fin. Ce faisant, soulignons-le, le chef assure l'unité du groupe. En effet, une fois sa décision prise, tous les sujets sont tenus de l'adopter, même si, auparavant, ils étaient d'un avis contraire. Limité aussi par le territoire pour lequel les autorités ont été investies. En dehors de ce territoire, le chef n'a aucune autorité. Limité enfin dans le temps. Un chef possède l'autorité dès son investiture et il la conserve jusqu'à l'expiration de sa charge. Il la perd par la mort et par la folie totale, et aussi quand il démissionne de sa charge ou qu'une autorité supérieure la lui retire. L'autorité pontificale. La finalité de l'Église a été précisée par le Christ. Citation. Et Jésus, s'approchant, leur parla ainsi. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez dans le monde entier, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Fin de citation. La finalité de l'Église, c'est donc la conservation, l'interprétation et la transmission intégrale de tout ce que le Maître nous a révélé, que nous devons croire et pratiquer, et que saint Paul appelle le bon dépôt. L'autorité du pape a été définie par le Maître. Une première fois, quand il promit à Simon de le faire Pierre, citation. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié aussi dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aussi dans les cieux. Fin de citation. Une seconde fois, quand il l'établit pasteur de tous, s'adressant à Simon-Pierre, Jésus lui dit, « Paix mes agneaux, paix mes brebis. » Au dire du maître, l'autorité du pape s'étend sur toute l'Église, aussi bien sur les pasteurs que sur les simples fidèles. Dans le respect de la nature et de la fin propre de l'Église, c'est-à-dire dans les limites de l'orthodoxie, l'autorité du pape est sans limite. Vraiment, je ne vois pas qui pourrait limiter son autorité alors que le Christ la lui a donnée sans limite. Citation. Tout ce que tu liras, tout ce que tu déliras, tout sera sanctionné dans les cieux. Fin de citation. Ne vous effrayez pas pour autant de cette affirmation. N'allez pas en conclure que le pape aurait, de ce fait, le droit de changer n'importe quoi dans l'Église, puisqu'il y a tout pouvoir. Rien ne serait plus faux, plus absurde qu'une telle supposition. Ce pouvoir illimité, le Christ, sagesse de Dieu, l'accorde à son vicaire, comme je l'ai précisé, dans les limites de la nature et de la finalité de son Église. Ce qui veut dire que le pape a tout pouvoir,
toute autorité, pour conserver intact et transmettre fidèlement le bon dépôt, et pour veiller à ce que ce bon dépôt soit fidèlement enseigné à toutes les nations, afin que toutes puissent pratiquer tout ce que le Maître a commandé. Mais il n'a aucun pouvoir, aucun droit, aucune autorité pour changer ou permettre que l'on change, ne fût-ce que d'un iota, la nature ou la fin de l'Église. Par contre, pour ce qui est des moyens libres pour remplir sa charge, le pape a tout pouvoir pour les choisir et pour les imposer à chacun. C'est en ce domaine, la discipline en fait partie, que l'autorité du pape est illimitée. Lui résister, même pour les choses disciplinaires, c'est donc attirer sur soi la malédiction de Dieu. Soumission et obéissance. La soumission à une autorité n'est pas autre chose que la reconnaissance du domaine de cette autorité. La sincérité de cette soumission se traduit inévitablement par l'obéissance des sujets aux ordres de cette autorité. Chaque fois que l'autorité est dans les limites de son domaine, l'obéissance des sujets, corollaire inévitable de l'autorité des supérieurs, est nécessairement absolue et inconditionnelle. Notre Seigneur le rappelle en Saint Luc, citation, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? » Fin de citation. Dans sa Bible, Filion ajoute en note, citation, « Lorsque les hommes sont sincères, la bouche et le cœur agissent avec harmonie. Sinon, la bouche profère parfois ce que le cœur ne ressent pas. » Fin de citation. Quand il s'agit de la résistance au pape dans l'exercice de sa fonction de pape, une seule hypothèse peut être envisagée qui autoriserait les fidèles à lui refuser leur obéissance. C'est le cas du pape qui donnerait des ordres dans un domaine qui n'est pas le sien. Mais, pourriez-vous objecter, quand le pape en tant que tel commande quelque chose de mal, contre la tradition par exemple, ne faut-il pas lui désobéir? Saint Paul l'a bien fait avec Saint Pierre, et Pierre lui-même n'a pas exclu le pape lorsqu'avec les autres apôtres il déclara « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Non, un catholique ne peut pas envisager une telle supposition. Elle est contraire à la foi. Dans sa fonction de pape, le vicaire du Christ, revêtu de l'autorité de son maître, ne peut rien commander qui porterait l'Église au péché ou qui romprait avec la tradition. Quant à la déclaration de Saint Pierre devant le Sanhédrin et à la conduite de Saint Paul à Antioche, vous les invoquez pour justifier votre comportement avec les papes de Vatican II. Vous faites ainsi la preuve de votre ignorance ou de votre mauvaise foi et du mépris que vous avez pour les fidèles qui vous font confiance et que vous abusez. Certes, l'ordre des apôtres vaut aussi pour le pape, mais répétons-le, uniquement quand, agissant comme personne privée ou comme chef temporel de la cité du Vatican, il donne un ordre qui porte au péché. En ce cas, oui, il vaut mieux obéir à Dieu qu'à l'homme, même si par ailleurs cet homme est pape. Mais l'ordre des apôtres ne concerne aucunement le vicaire du Christ, puisque ce dernier s'est engagé à l'assister tous les jours pour que, dans sa fonction de Pierre, il ne défaille pas. L'incident d'Antioche est encore plus significatif de votre ignorance ou de votre mauvaise foi. En effet, en la circonstance, Saint Paul n'a pas désobéi à Saint Pierre, celui-ci ne lui ayant donné aucun ordre. Quand il écrit, citation, « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face. » Fin de citation. Ne doit pas être entendu dans le sens où votre fraternité résiste aux ordres formels des papes de Vatican II.
Ici, l'apôtre des gentils veut dire tout simplement qu'il a profité de la venue de Pierre à Antioche pour lui dire en face ces quatre vérités. Devant les judaïsants, Cephas simulaite, le respect des observances judaïques, alors qu'habituellement, suivant la décision qu'il avait prise à Jérusalem et qu'il avait communiquée aux frères d'Antioche, citation, « Il vivait à la manière des païens », fin de citation. Paul, qui ne pensait pas devoir demander à Pierre l'autorisation de faire l'expérience de la tradition, profita de cette rencontre pour lui reprocher publiquement sa dissimulation. L'infaillibilité pontificale. C'est surtout parce que vous en avez peur que vous n'arrivez pas à l'admettre tel que le Seigneur l'a voulu pour nous. Vous en avez peur parce que, là aussi, vous vous enfermez dans un sophisme. Il est évident, pour un catholique, qu'un document doctrinal ou un rite liturgique couvert par l'infaillibilité pontificale, doit être accepté. Je dirais, accepter les yeux fermés, puisque, la foi nous l'assure, il ne peut pas contenir d'erreur, il ne peut pas mettre la foi en danger. Malheureusement, c'est un fait, et saint Thomas nous assure qu'aucun principe ne tient devant un fait contraire. Le nouveau rite de la messe présente un caractère franchement luthérien. Il met la foi en danger et rend la célébration eucharistique fortement douteuse, pour ne pas dire certainement invalide. Alors, si sur ce point vous aviez la foi catholique, vous comprendriez qu'un tel rite, qui s'éloigne de façon impressionnante de la théologie définie au Concile de Trente et qui met la foi en danger, manifeste clairement que son promulgateur ne peut pas être réellement pape. Le pape est nécessairement infaillible en ce cas. Malheureusement, votre foi en l'infaillibilité du magistère n'est pas catholique. Et voilà pourquoi vous avez fait un raisonnement de gribouille. Vous vous êtes dit, ce rite nouveau doit être refusé, puisqu'il met la foi en danger. Mais nous n'avons pas à nous en scandaliser, puisque la promulgation des rites liturgiques n'est pas couverte par le charisme de l'infaillibilité. Votre fondateur a même déclaré qu'il ne savait pas qui en était l'auteur. Ainsi, sans vous compromettre, vous avez cru pouvoir refuser l'ordonnance du pape tout en continuant à reconnaître son autorité. Et depuis, tous vos efforts ont porté non à défendre l'infaillibilité pontificale battue en brèche par les modernistes et par beaucoup de traditionalistes, mais à la restreindre au maximum. Revoyez donc la concession de ce privilège par le Seigneur et devenez catholique sur ce point fondamental. Quand Jésus révéla à Simon, fils de Jean, qu'il le faisait Pierre, il entendait surtout souligner qu'il le voulait et qu'il le rendait inébranlable. Inébranlable dans quoi? Dans la foi. C'est si vrai qu'il lui révéla également que lui, le Christ, le Fils du Dieu vivant, avait prié tout spécialement pour cela, citation, « afin que ta foi ne défaille point », fin de citation. Dans la Sainte Église de Jésus-Christ, vous devez le savoir, la foi est littéralement fondamentale. N'est-elle pas la racine et le fondement de la justification? Sans elle, il n'y aurait pas de fidèles. Partant, pas d'Église. L'Église est essentiellement la maison de la foi. Elle est aussi, citation, « la colonne et le fondement de la vérité ». Fin de citation. Pour cette maison de la foi, pour cette colonne de la vérité, le Maître a prévu une assise inébranlable. Il a voulu un fondement qui est la stabilité du roc, car l'Église devait traverser les siècles. Et voilà pourquoi il a établi sur le pape, citation, « et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Fin de citation. Sans un fondement inébranlable, c'est-à-dire infaillible, l'Église se serait nécessairement émiettée en une multitude infinie de sectes. L'infaillibilité du pape est donc bien un élément constitutif essentiel de Pierre. Dans l'Église du Christ,
Il n'y a pas de pape qui, dans sa fonction de pierre, ne soit pas inébranlable, infaillible. Si, comme vous le prétendez, Pierre n'était inébranlable que très rarement, une ou deux fois par siècle, et fluctuant, incertain, douteux, dans son enseignement ordinaire de tous les jours, l'Église bâtie sur lui se serait, je ne dis même pas rapidement et dangereusement lézardée, elle se serait totalement écroulée depuis longtemps. Pour vous, réalisez-en le grotesque. Ce dogme garantit l'infaillibilité du pape chaque fois qu'il ne se trompe pas, étant bien entendu qu'il peut errer tout le reste du temps. Et voilà pourquoi les pires erreurs professées publiquement et officiellement depuis plus de 20 ans par les papes de Vatican II, que vous appelez très justement « Antichrist », ne vous gênent pas pour reconnaître en chacun d'eux le vicaire du Christ. Elles ne vous gênent pas davantage pour être en communion de foi avec eux, au point de chasser de votre fraternité quiconque ne célèbre pas la Sainte Messe « Unacum famulo tuo papa nostro, Ioanne Paolo ». Pour ceux d'entre vous qui ont encore le sensus ecclésié et qui admettent l'adage « Roma locuta est causa finita », je termine ce point de doctrine par deux citations romaines. Citation. Toutes les fois donc que la parole de ce magistère déclare que telle ou telle vérité fait partie de l'ensemble de la doctrine divinement révélée, chacun doit croire avec certitude que cela est vrai. Car si cela pouvait en quelque manière être faux, il s'ensuivrait, ce qui est évidemment absurde, que Dieu lui-même serait l'auteur de l'erreur des hommes. Fin de citation dans Satis Cognitum de Léon XIII. Citation de Pie XI, Mortalium Animos. Le magistère de l'Église établi ici-bas, d'après le dessein de Dieu, pour garder perpétuellement intact le dépôt des vérités révélées et en assurer la connaissance aux hommes, s'exerce chaque jour par le pontife romain et les évêques en communion avec lui. Fin de citation. Cette doctrine classique, Boulanger la résume ainsi dans son manuel d'apologétique en page 399. Citation. On appelle magistère ordinaire universel le mode d'enseignement donné par le pape et les évêques à tout moment et dans tous les pays. Lorsque notre Seigneur a dit à ses apôtres « Allez enseigner toutes les nations », il n'a pas limité leur pouvoir à un temps et à un endroit donné. Le pape et les évêques doivent donc exercer leur fonction de docteur, non pas seulement à de rares intervalles et dans des circonstances solennelles, mais partout et toujours. Fin de citation. Voilà ce qu'est le pape au dire de la doctrine catholique. Éventualité du péché d'hérésie ou de schisme pour le pape. Vicaire du Christ et revêtu de son autorité, le pape n'est pas un robot. Dieu respecte sa liberté. Le pape garde sa personnalité et demeure un homme pécheur. Malgré la sublimité de ses fonctions et la grandeur de ses privilèges, il n'est pas confirmé en grâce. Comme n'importe lequel d'entre nous, il doit faire son salut avec crainte et tremblement. Comme vous et moi, il porte le trésor de ses grâces et de ses privilèges, Invasis fictilibus, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Ce qui veut dire que s'il est Pierre et s'il en a la solidité dans sa fonction de pape, l'homme qu'il demeure peut, en privé, tomber dans n'importe quel péché sans exclure les péchés contre la foi et contre l'unité. Cette croyance en la peccabilité du pape a toujours été admise dans l'Église. Reportez-vous aux grandes litanies des saints. Si nous supplions Dieu de conserver dans la sainte religion le Seigneur apostolique, c'est bien la preuve que pour l'Église, le pape n'est pas préservé d'en sortir. Car, pour le pape, comme pour nous, alors que les péchés les plus graves ne lui font pas quitter l'Église et n'entachent en rien son ministère, s'il vient à pécher contre la foi, il quitte l'Église comme n'importe quel hérétique. Séparé du corps mystique, il n'en est plus membre, encore moins en est-il la tête.
Quand, par son péché, il s'est séparé du Christ, le Christ lui retire son autorité et son assistance. Désormais, ce pape ne conserve de la papauté que le fait d'en occuper le siège, en attendant que l'Église le déclare déchu de sa charge. Je l'ai rappelé, le pape ne peut tomber dans l'hérésie qu'en privé, jamais dans son enseignement officiel. Comment savoir, quand il enseigne, s'il est toujours dans l'Église ou s'il l'a quitté? Comment savoir si l'erreur qu'il a professée est une simple erreur ou un péché formel d'hérésie? Comment savoir enfin s'il est toujours vraiment pape ou s'il ne l'est plus que de nom? En dehors d'un aveu spontané du coupable ou de l'intervention d'une autorité qui l'oblige à confesser la foi, on ne peut pas savoir de quelqu'un qui professe une erreur s'il est hérétique formel ou non. N'y a-t-il aucune exception à cette règle générale? Oui, il y en a une et elle concerne le pape. Comme vous le savez, ici-bas, il n'y a aucune autorité supérieure à la sienne. Le pape, qui ne relève que de Dieu, ne peut donc être jugé par personne. De ce fait, on pourrait croire que, si ce malheur se produisait, il serait sans remède. Eh bien non. La foi est trop importante pour que Dieu n'ait pas prévu quelque remède efficace contre un tel malheur s'il se produisait. Pour le pape, comme pour n'importe qui, l'hérésie est d'abord un acte interne, privé. Ce n'est qu'après qu'il l'a exprimé que l'hérétique est reconnu comme tel, pas avant. Mais, dans la réalité, devant Dieu, ce malheureux est séparé du Christ depuis le moment où, dans son cœur, il a refusé de croire une vérité de foi. Dès son péché, s'il a été pape, il ne l'est plus. S'étant séparé du Christ, le Christ lui a retiré son autorité et son assistance. Tout cela s'est passé dans le secret de son âme. Aussi longtemps qu'il ne manifeste pas son crime, personne n'en peut rien savoir. Pour l'Église, il ne peut y avoir de plus grand malheur que d'être, à son insu, sous la conduite d'un pape qui ne l'est plus. Fort heureusement, la foi nous rassure. Elle nous rappelle que la tête véritable de l'Église, celui qui, depuis le début, n'a jamais cessé et qui ne cessera jamais de la diriger, c'est le Christ. Citation. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des siècles. Fin de citation. Même occulte, le péché de son vicaire ne lui a pas échappé. Comment s'arrangera-t-il pour qu'au plus tôt ses fidèles en soient avertis et qu'ils sachent avec certitude que ce pape n'est plus son vicaire, qu'il n'a plus son autorité? En laissant les choses suivre leur cours, deux hypothèses peuvent être envisagées. Première hypothèse. À moins d'avoir affaire à un moderniste qui cache totalement son jeu pour se maintenir dans l'Église et la faire évoluer, généralement un hérétique, au moins dans les premiers temps, est persuadé que la vérité qu'il nie n'est pas une vérité révélée. Dès lors, surtout s'il occupe un poste élevé, qui lui donne une plus grande autorité, il ne tardera pas à afficher sa nouveauté et à prendre les mesures en son pouvoir pour préparer les esprits à l'accepter. Son enseignement deviendra rapidement, sinon franchement hétérodoxe, du moins de plus en plus douteux. L'Église, c'est-à-dire aussi bien les simples fidèles que les pasteurs, ont toujours le droit, ils en ont même le devoir, d'interroger le pape pour savoir comment il faut entendre son enseignement douteux. S'il n'y a aucune autorité supérieure à celle du pape pour le juger, n'importe quel fidèle a le droit de l'interroger. Le Christ l'a institué dans sa charge pour confirmer la foi de ses frères. Interrogé, le pape se doit de répondre. Il doit professer clairement la doctrine et condamner franchement l'erreur opposée. Si le pape ne répond pas et qu'un peu partout dans l'Église des fidèles se posent des questions sur son orthodoxie, ce pape est pour le moins suspect d'hérésie et devient, par son silence coupable, un pape douteux. Alors, l'Église croyante, qui n'a aucun pouvoir sur le pape, en acquiert un sur le pape douteux et peut aller jusqu'à le juger et le déposer. Il est évident que, dans l'Église croyante, c'est à la hiérarchie fidèle, aux cardinaux,
aux patriarches et aux évêques titulaires qu'il appartient d'interroger le pontife et de déclencher la procédure du jugement du pape douteux. Deuxième hypothèse. L'hérésie du pape est occulte et, un ensemble de circonstances aidant, l'Église ne s'en aperçoit pas. Dans cette hypothèse au jugement du monde, on pourrait penser que le glas a sonné pour elle. Au jugement du monde, oui, mais pas à celui de la foi. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des siècles, a dit le Seigneur. Et de fait, le malheur d'un pape hérétique s'étant produit à Vatican II, dans une chrétienté chloroformée par le laïcisme, le libéralisme, le naturalisme et une fausse charité, le Seigneur Jésus, véritable tête de l'Église, qui ne peut abandonner son épouse, n'a pas manqué de lui venir en aide. Au lieu d'assister ce pape, entre guillemets, qui n'était plus son vicaire et de le garder de toute erreur, il l'a aveuglé. Et Paul VI a promulgué dans la forme solennelle en particulier la doctrine sur la liberté religieuse qui contredit la doctrine de foi sur le même sujet. Ce faisant, le Christ a permis aux plus myopes, du moins à ceux d'entre eux qui étaient de bonne volonté, de constater la déchéance de son vicaire. Section 2. Ce que les catholiques fidèles étaient et sont encore en droit d'attendre de vous. Bien évidemment, les fidèles, ceux du moins pour qui la religion n'est pas autre chose qu'un ensemble de pratiques, vous demandent, comme à nous, de leur assurer la messe, les sacrements, le catéchisme. Mais les catholiques qui vivent intelligemment leur foi ne demandent pas que cela. Ils nous demandent aussi des justifications doctrinales de notre bon droit, un comportement cohérent et surtout la confession de la foi sur les points les plus contestés. Sans cela, nous méritons la remarque du Seigneur au guide aveugle de son temps, « Ec oportuit facere, et illa non omittere » dans Matthieu, chapitre 23, verset 23. Des justifications doctrinales catholiques de notre bon droit. Je vous l'ai déjà expliqué. Sans justification doctrinale catholique, vous entraînez les fidèles qui vous suivent dans votre propre immoralité et vous aurez à en rendre compte. Certes, comme la plupart des responsables de bulletins traditionnalistes, vous excellez à dénoncer scandales, erreurs et hérésies des papes et des évêques de Vatican II. Mais pas une seule fois, en partant de ces faits répétés et scandaleux du scandale de la foi, vous n'avez osé tirer la conclusion que cette vertu nous impose. Pour ne citer qu'une de vos productions, Pierre, m'aimes-tu? C'est un modèle du genre que vous cultivez. C'est un fait, nous ne pouvons que le constater pour le déplorer. Malgré tous vos séminaires, vos couvents et votre université parisienne, malgré votre centaine de prêtres et vos 5 évêques, vous n'avez pas encore été capable de produire un seul travail doctrinal sérieux pour confondre les protagonistes de la nouvelle Église de leur hérésie formelle et pour justifier le bon droit de notre résistance. Cette absence de justification est très grave. Réalisez ceci. Vous prétendez reconnaître l'autorité du pape régnant et celle des évêques dans les diocèses desquels vous vous êtes installés. Vous allez même jusqu'à exclure de votre fraternité ceux qui ne les reconnaissent pas et, dans le même temps, vous exercez votre ministère contre la volonté expresse de ces évêques et du pape. Est-ce là un comportement logique? Il y a plus grave encore. Pour tenter de justifier l'incohérence de votre comportement, en opposition radicale avec vos déclarations répétées d'allégeance aux autorités de Vatican II, vous tentez de faire admettre que ce comportement est conforme à la pratique catholique. À vous en croire, des docteurs et des saints l'auraient eu avant vous et ils l'auraient même recommandé. Pour accréditer ces affirmations, vous sollicitez les textes que vous citez. Je l'ai montré dans « Soumission et obéissance » au sujet de l'incident d'Antioche et de la parole de Pierre. Dans le numéro 3 et 4 des cahiers de Cassis Iacum, M. l'abbé Bernard Lucien a publié une étude sur le texte de Saint Robert Bellarmin. Ce texte, des Romano Pontifici, à votre préférence.
Jacques Ogliastro le cite à nouveau dans le Chardonnay de décembre 1991. Lisez donc l'étude de M. l'abbé Lucien et vous comprendrez combien il est malhonnête de continuer à faire référence à l'autorité de Saint-Robert Bellarmé pour tenter de justifier un comportement qui n'est pas catholique. Sachez-le, aucun des théologiens et des saints dont vous invoquez l'autorité ne s'est jamais trouvé confronté à un problème semblable au nôtre. Comment, dès lors, pouvez-vous invoquer leur conduite pour justifier la vôtre? Jamais, ni de saint Thomas d'Aquin, ni de saint Robert Bellarmé, ni de saint Bernard, ni de Cajetan, ni de Suarez, ni de Journet, ni de quelque autre auteur catholique qu'il vous plaira, vous ne pourrez avancer un seul texte qui autoriserait les fidèles à résister aux ordres formels du magistère infaillible. Or, c'est de cela qu'il s'agit pour nous dans la crise actuelle. Pour ne rappeler que le décret Unitatis Redintegratio sur l'œcuménisme, la déclaration Dignitatis Humanae sur la liberté religieuse, la constitution Sacrosanctum Concilium sur la liturgie, ou Missale Romanum qui publie le nouveau missel, leur promulgation officielle par Paul VI relève du magistère infaillible. En de telles matières, il est impensable pour la foi catholique d'envisager seulement la possibilité d'avoir à résister à un vrai pape. Il est donc malhonnête de prétendre que des saints l'auraient conseillé ou seulement pratiqué. Comme je l'ai expliqué en haut de la page 14, dans le respect de la nature et de la fin propre de l'Église, c'est-à-dire dans les limites de l'orthodoxie, l'autorité du pape dans l'Église militante est sans limite et il est absolument nécessaire de nous y soumettre pour faire notre salut. Dans le cas où, malgré tout, vous auriez pu croire de bonne foi qu'il vous était permis de désobéir aux ordres formels du pape régnant, puisque des saints l'avaient fait avant vous, je vous rappellerai. Le jugement exprès porté par les papes Boniface VIII et Pie XI sur le sujet qui nous occupe. Je les ai cités en page 9. La règle de conduite donnée par Pie XII pour se comporter dans les matières qui ont pu être controversées, la voici. Citation. Si les papes portent expressément dans leurs actes un jugement sur une matière qui était jusque-là controversée, tout le monde comprend que cette matière, dans la pensée et la volonté des souverains pontifs, n'est plus désormais à considérer comme question libre entre théologiens. Fin de citation. Non, souffrez que je le redise, en de telles matières, il n'est pas permis de résister à un vrai pape et il est malhonnête de prétendre que des saints l'auraient fait. Par contre, si, comme c'est le cas depuis Vatican II, la foi, ou plutôt la parole de Dieu, à laquelle nous adhérons par cette vertu, nous commande de résister au pape régnant, elle nous assure du même coup, car Dieu ne peut pas se contredire, que ce pape auquel elle nous commande de résister n'est pas un vrai pape. Il n'est pas revêtu de l'autorité du Christ, il n'est pas son vicaire. Un comportement cohérent. En plus qu'il est scandaleux, votre comportement fait le jeu de la subversion. Comment ne vous rendez-vous pas compte que vous apportez votre soutien aux destructeurs de l'Église? Tout ce que vous pouvez dire ou écrire sur les coryphées de l'Église apparente ne les gêne nullement. Par contre, connaissant la doctrine catholique bien mieux que vous ne le pensez à Écône, ces mêmes coryphées ne craignent qu'une chose. Celle que proposait le révérend père Calmel, être démasqué d'autorité. Ils craignent cela d'autant plus que le jour où l'Église croyante aura pris conscience que les hommes de Vatican II ne possèdent pas l'autorité du Christ, leur citation « Église apparente », pour reprendre encore l'explication du révérend père Calmel, tombera en poussière car sa principale force vient de ce que son mensonge intrinsèque passe pour la vérité, n'étant jamais effectivement désavoué d'en haut. Fin de citation. Parmi les multiples déclarations de votre fondateur, rappelez-vous ce passage de la lettre qu'il adressait le 6 octobre 1978 à 40 cardinaux, dont le cardinal Wojtyla, archevêque de Cracovie, qui allait entrer en conclave après la mort de Jean-Paul Ier. Il met particulièrement en évidence l'incohérence scandaleuse de votre comportement. Citation.
Un pape digne de ce nom et vrai successeur de Pierre ne peut pas déclarer qu'il se donnera à l'application du Concile et de ses réformes. Il se met par le fait même en rupture avec tous ses prédécesseurs et avec le Concile de Trente en particulier. Fin de citation. Avez-vous réfléchi quelquefois à la portée de ce texte? Avez-vous réalisé de quel ridicule vous vous êtes couvert depuis l'élection de Wojtyla? Lui, au moins, n'a pas caché son jeu. Lui, au moins, a été et demeure conséquent avec ses convictions. Dès sa première encyclique, il s'est présenté comme l'homme qui appliquerait complètement les décisions de Vatican II et sans s'enfermer dans des documents. Depuis, il ne cesse de le répéter inlassablement parce que, citation, « l'Église, durant le Concile, a pris conscience plus profondément de sa propre nature et de sa propre mission. Parce que nous pouvons y voir une nouvelle phase de l'autoréalisation de l'Église à la mesure de l'époque où il nous est donné de vivre. Et parce que l'Esprit-Saint a parlé par la bouche des pères, citation, nous nous proposons donc comme tâche principale de mettre en œuvre l'enseignement de ce grand concile. » Fin de citation. Bien plus, le même Jean-Paul II a déclaré dans Redemptor Hominis, Jean 23 et Paul VI, citation, constitue une étape à laquelle je désire me référer directement, comme à un seuil à partir duquel je veux, en compagnie de Jean-Paul Ier, pour ainsi dire, continuer à marcher vers l'avenir. Fin de citation. Je ne voudrais pas soupçonner les intentions de Mgr Lefebvre, mais enfin, comment expliquer qu'il n'ait pas tiré la conclusion qui s'imposait à lui, surtout après les déclarations du nouvel élu? Or, c'est un fait, il ne l'a pas tiré. Était-il convaincu de ce qu'il avait écrit aux cardinaux? Le pape étant l'organe infaillible de la tradition, en rompant avec tous ses prédécesseurs, Jean-Paul II a manifesté clairement aux yeux de Monseigneur qu'il quittait l'Église et qu'il s'installait dans le schisme. Y aurait-il quelque témérité à s'interroger sur la sincérité de celui qui, sachant cela, n'a cessé de quémander des faveurs à un schismatique installé matériellement sur le siège de Pierre? Après les déclarations si claires de Jean-Paul II, comment votre fondateur n'a-t-il pas réalisé que ce pape, malgré son élection, n'était pas et ne pouvait pas être un vrai successeur de Pierre? Le fait est là, dans sa brutalité, Mgr Lefebvre n'a pas tiré la conclusion que la foi et l'honneur exigeaient de lui. Et cette abstention calculée, comprenez-le, autorise à se poser bien des questions à son sujet. Je ne vous l'apprends pas davantage, non seulement Mgr n'a pas tiré la conclusion qui s'imposait à lui, mais, contre toute justice, il a chassé de sa fraternité ceux de ses fils qu'il avait pris au sérieux, qui avaient cru que leur supérieur pensait vraiment ce qu'il avait écrit et en avait conclu que Jean-Paul II n'était pas un vrai pape. Après ce rappel, comment n'avez-vous pas honte? Comment ne rougissez-vous pas, vous tous, qui persévérez dans le même comportement, qui trompe la résistance catholique? S'il vous reste un minimum de sens commun, réalisez donc que vous trahissez la cause de l'Église au profit de celui qui en poursuit ouvertement la destruction. Il faut vraiment que vous manquiez de tout jugement pour ne pas prendre conscience que tous vos efforts pour affirmer et clamer partout la légitimité des papes de Vatican II fait leur jeu. Aux yeux du monde et de la chrétienté, vous leur reconnaissez une autorité qu'ils n'ont pas. Aux yeux du monde et de la chrétienté, vous discréditez et faites passer pour des ultras les vrais résistants, ceux qui sont cohérents avec les exigences de la foi catholique. Et tout cela au profit de qui? Je le répète à votre honte, au profit de celui que votre fondateur, dans un moment de foi lucide, avait reconnu et déclaré ne pas pouvoir être un vrai pape et que, dans un autre moment de lucidité, il avait très justement appelé Antichrist. Si le ridicule pouvait tuer,
Il y a bien longtemps que votre fraternité aurait disparu. Mais non, le ridicule ne tue plus. Dans un siècle où le prince de ce monde est roi, ses serviteurs ont la vie dure. J'en arrive ainsi à la confession de la foi et à la terrible responsabilité de Mgr Lefebvre et de la vôtre à tous à ce sujet. La confession de la foi. Nous sommes les débiteurs de Dieu. L'apôtre est formel. Citation. Qu'as-tu que tu ne l'aies reçu? Fin de citation. Vous est-il arrivé de vous demander pour quelle raison Dieu nous a préservés, nous, d'adhérer aux nouveautés de Vatican II? Pour quel motif Dieu nous a donné de résister à ses papes? La dernière fois que votre fondateur est venu confirmer les enfants dans ma chapelle de Tours, c'était le 21 avril 1979. Je le lui ai rappelé. Citation. Nous vous sommes reconnaissants, mon Seigneur, de venir confirmer nos enfants et de nous donner des prêtres qui assureront le culte après nous. Mais Dieu ne vous a pas choisi pour cela. Dieu vous a choisi d'abord pour confesser la foi. Fin de citation. J'ai osé lui dire aussi que je voyais le doigt de Dieu dans le choix qu'il avait fait de sa personne, afin que l'action divine apparaisse davantage dans la résistance catholique. En effet, par les fonctions qu'il avait exercées, votre fondateur était très connu, aussi bien dans la curie romaine que dans l'épiscopat de langue française. Tous savaient son attachement au Saint-Siège et son caractère plutôt doux. Le voir se dresser contre le pape et contre le concile obligeait ceux qui l'observaient à découvrir, au travers de son action, celle de Dieu qu'il avait appelé et qui le soutenait. L'objet de notre témoignage. Dans toutes les grandes crises qui ont secoué l'Église, Dieu n'a jamais manqué d'appeler des hommes pour qu'ils se lèvent et portent témoignage contre les novateurs. Répondant à la confiance que Dieu leur faisait, ces confesseurs ont repoussé toutes les nouveautés et confondu leurs auteurs en proclamant la foi. Ils savaient que cette vertu est, citation, le bouclier contre lequel viennent se briser tous les traits enflammés du malin. Fin de citation dans Éphésiens. Dieu avait suscité Mgr Lefebvre, comme il nous a suscité, pour repousser l'hérésie dominante et pour en triompher en proclamant clairement la foi attaquée par celle-ci. Quelle est donc l'hérésie dominante qui menace de tout emporter depuis Vatican II? Jean Madiran l'a signalé dès la première ligne de l'avant-propos de son livre sur ce sujet, « L'hérésie du XXe siècle ». Écrit-il, citation, « est celle des évêques ». Et il précise aussitôt, « non qu'ils en soient les inventeurs, mais les agents ». Fin de citation. En quoi consiste cette hérésie? En ce que l'Église romaine n'est plus considérée pour ce qu'elle est. « Mater et magistra omnium ecclesiarum ». Mais comme une église parmi toutes les autres églises. Citation. La théologie dite romaine fut considérée de plus en plus comme une école théologique parmi d'autres. Et point la meilleure, une école rétrograde, scolastique, juridique, dépassée. Les encycliques étaient tenues pour un produit local de cette école théologique contestée. En cela, les évêques et docteurs se sont parjurés. Ils ont forfait à leur serment solennel de tenir au contraire l'Église de Rome pour la mère et la maîtresse de toutes les Églises. Fin de citation. Le résultat ne se fit pas attendre. Il n'y avait plus la communion de l'intelligence entre les évêques et le Saint-Siège. Mais surtout, à partir de 1950, les évêques ont eu le sentiment, ou on le leur a insufflé, que la communion avait été rompue par le Saint-Siège prisonniers d'une école théologique et juridique particulière et dépassée, et qu'il incombait donc au Saint-Siège de retrouver la communion avec l'épiscopat ou d'y être amené. Tout le second concile œcuménique du Vatican a été conduit par les évêques dans cette perspective. Fin de citation. Depuis le concile de notre siècle, entre guillemets, fait encore plus grave, les pontifes de Vatican II ont eux aussi manifester que, jusque sur des questions irréformables, il n'était plus en communion d'intelligence avec la Mater et Magistra d'avant Vatican II. Eh bien,
C'est pour être les témoins de la vérité de sa parole en faveur de l'Église de Pierre contre l'hérésie du 20e siècle que Dieu nous a choisis. Section 3. Monseigneur Lefebvre et le témoignage de la foi. S'il avait été facile de résister sous le règne de Paul VI, qui n'avait rien pour plaire et tout pour rebuter, il devint plus difficile de continuer la résistance après l'élection du comédien qu'avait été Wojtyla. Dès la session de ce dernier au siège de Pierre, les conversations reprirent entre Rome et Écône. Monseigneur, alors, préféra user de diplomatie plutôt que de s'en tenir à l'humble mais courageuse profession de la foi. Face à Jean-Paul II, au lieu d'adopter l'attitude courageuse de saint Paul à Antioche, au lieu de, citation, lui résister en face parce qu'il était répréhensible, fin de citation, de continuer l'œuvre de ses prédécesseurs immédiats, au lieu d'exiger fermement qu'il confirme l'Église dans la foi, Mgr Lefebvre préféra quémander ce que personne, fût-ce un apôtre ou un ange venu du ciel, ne peut nous interdire de pratiquer la fidélité à la tradition. Citation. Très Saint-Père, laissez-nous faire l'expérience de la tradition. Fin de citation. Devint le leitmotiv de toutes ses demandes. Ce faisant, Monseigneur s'engageait sur le chemin qui devait le conduire à l'abandon de la cause pour laquelle nous nous étions dressés et pour laquelle Dieu l'avait choisi. Comment cet évêque catholique n'a-t-il pas réalisé qu'il se déshonorait en sollicitant du destructeur de la foi l'autorisation d'être fidèle au serment répété de son baptême, de sa confirmation, de son ordination et de son sacre? La résistance catholique. Vous semblez ignorer que la résistance à Vatican II n'est pas le fait de Mgr Lefebvre. Elle s'est dressée sans lui. Quand Mgr y est entré, elle existait depuis longtemps. Elle était déjà bien organisée, en particulier en France, en Allemagne et au Mexique. Nous avions même créé à Rome un secrétariat international, le PERC, le Pro Ecclesia Romana Catholica. Où était Monseigneur et votre fraternité lorsqu'avec M. l'abbé Coche, nous dirigions les marches romaines et nos veillées de prière sous les fenêtres de Paul VI, place Saint-Pierre? Parmi les observateurs, qui donc, pour la première fois, a rempli la grande salle de la Mutualité à Paris pour faire connaître l'existence de la résistance à Vatican II et le bien fondé de nos revendications catholiques? Pas Mgr Lefebvre. Sans doute nous soutenait-il par sa présence, mais parmi les auditeurs seulement, sans oser monter sur l'estrade par peur de se compromettre avec les conférenciers. Même la grande journée de Lille, au début de l'été chaud, a été organisée par nous. Votre fondateur n'en voulait pas. Alerté par M. Paul Liétard de Tourcoing, que Monseigneur se proposait d'aller y célébrer une messe en privé pour sa famille et quelques amis, c'est moi qui suis intervenu et qui ai insisté jusqu'à ce qu'il accepte de nous laisser organiser une grande manifestation à Lille. Comme à l'ordinaire, il se décida in extremis. Ici, en moins de 15 jours, nous avons pu rassembler les foules qui l'ont acclamé et qui ont fait trembler les gens du Vatican, c'est bien parce que nous avions une organisation internationale capable de les déplacer. Monseigneur ne s'est engagé dans la résistance que quand elle a été suffisamment développée et organisée pour s'imposer. Alors, profitant de l'avantage que lui donnait son épiscopat, il a eu vite fait de la confisquer à son profit, ou, si vous préférez, au profit de son œuvre, de sa fraternité. Jésus nous a prévenus qu'il est difficile à un riche de faire son salut. Aussi longtemps que Monseigneur eut besoin de nous et de notre organisation, j'étais le bienvenu à Écône. Et les séminaristes partisans de « Fort dans la foi » n'avaient pas besoin de se cacher pour lire ma revue. Malheureusement, les choses ont changé. Avec les rentrées massives des membres du MJCF, Mouvement de la jeunesse catholique française, à Écône, les libéraux devinrent rapidement majoritaires et le cœur de votre fondateur pencha de leur côté. Alors, les durs furent contraints de prendre des précautions
pour me rencontrer et pour lire ma revue. Pour ne citer que M. l'abbé Philippe Laguéry, demandez-lui si j'exagère en écrivant cela. À l'exception du jugement que je portais sur l'invalidité radicale de la nouvelle messe et sur l'interdiction absolue que je faisais aux fidèles d'y assister, Mgr Lefebvre, sans m'approuver, n'était opposé ni à mon analyse du nouveau rite, ni à ma démonstration de l'hérésie, du schisme et de l'apostasie de Paul VI. C'est en sa présence, au cours de journées sacerdotales présidées par lui, que j'ai rendu publiques ces deux analyses. À la fin de la première, dans la maison Lacordaire de Flavigny, M. l'abbé Cauche déclara devant tous les assistants qu'il ne partageait pas la conclusion qui se dégageait de mon analyse. Célébrée dans le nouveau rite de Paul VI, la messe n'est pas et ne peut pas être valide. Comme je demandais à Monseigneur ce qu'il en pensait, il répondit aussitôt. Votre travail est sérieux. À votre place, je l'enverrai au Saint-Office afin que Rome se prononce. Moi, répliqua le révérend père Gérard Deslauriers, qui avait assisté à mon exposé auprès de votre fondateur, je vous donne un avis contraire à celui de Monseigneur. Je connais au Saint-Office le secrétaire qui recevra votre travail. Il s'empressera de le mettre à la corbeille à papier. Si vous voulez que Rome s'en occupe, publiez-le. Le père a probablement raison, remarqua Monseigneur en souriant. J'ai donné la seconde analyse qui concluait à l'hérésie et au schisme de Paul VI dans votre séminaire à Écône. J'annonçais alors que j'envoyais mon travail à tous les cardinaux et à tous les patriarches de la Sainte Église et que je m'apprêtais à le rendre public, à Rome même, au cours d'une conférence de presse. Là encore, Monseigneur ne fit aucune remarque et m'assura de sa prière. La conférence de presse s'est tenue comme prévu à Rome le 19 novembre 1976. Elle fut relatée par plus de 19 quotidiens italiens et Monseigneur continua à me manifester son amitié et à m'accueillir à sa table quand j'allais le visiter. Le revirement de Monseigneur. Les choses ont changé et votre fondateur a pris sa distance envers moi et envers tous les vrais résistants peu avant sa fameuse déclaration du 8 novembre 1979. Que s'était-il donc passé qui put justifier son nouveau comportement et sa déclaration fratricide? Connaissant fort bien ma position sur le bon droit de notre résistance catholique, Mgr Lefebvre s'est bien gardé de me faire ses confidences au moment où il décidait de reprendre des pourparlers avec les dirigeants de la nouvelle Église. C'est par la rumeur publique que je les ai connus. Cette année, 1979, la fête de Saint-Pédis tomba un dimanche, je profitai de l'homélie pour rassurer les fidèles de ma chapelle sur les intentions de Monseigneur. Je publiai ensuite cette homélie dans la revue, pour mes lecteurs, bien sûr, mais aussi pour rappeler à votre prélat que, citation, « pour souper avec le diable, il faut se munir d'une cuillère qui possède un très long manche. » Fin de citation. Hélas, la cuillère de votre fondateur en avait un plutôt court. Alors, sans rien obtenir, il fit le jeu de la subversion. Il est aisé de le comprendre. Notre Seigneur nous a avertis, citation, les enfants de ce siècle sont beaucoup plus avisés entre eux que les fils de la lumière. Fin de citation. Puisque Monseigneur demandait l'autorisation de faire l'expérience de la tradition, c'est qu'il n'était pas sûr de son bon droit en la continuant. S'il s'adressait à eux, c'est donc qu'il reconnaissait leur autorité. Dans ces conditions, il est évident qu'une des premières exigences que ne pouvait pas ne pas formuler ceux auxquels il s'adressait, c'était de reconnaître la légitimité du pape régnant, la validité du nouveau rite de la messe publié par son prédécesseur Paul VI et la reconnaissance du Concile Vatican II. Sans mentir, Monseigneur pouvait rassurer ses interlocuteurs. Jamais il n'avait dit que le pape était hérétique. Toujours, il avait soutenu la validité de la messe dignement célébré dans le rite de Paul VI. Et dans sa fraternité,
Aucun prêtre n'était autorisé à célébrer le Saint Sacrifice autrement que Unacum Famulotur, Papa Nostro Ioanne Paolo. Dès lors, il était tout à fait normal que les hommes de Jean-Paul II exigent pour preuve de sa sincérité que votre fondateur prenne publiquement ses distances d'avec ceux qui affirmaient le contraire. Et voilà comment on peut expliquer que, sans crier gare, Monseigneur fit sa déclaration fratricide du 8 novembre 1979 qui poignardait dans le dos la résistance catholique. Choisi par Dieu pour confesser la foi sur le point qui était le plus nié, Monseigneur Lefebvre s'est dérobé. Rappelez-vous la question que Dieu lui fit poser par le cardinal Sépère pour lui faciliter la confession qu'il attendait de lui. Citation. Un rite, surtout celui de la messe, publié par le souverain pontife, peut-il mettre en danger la foi des fidèles? Fin de citation. La réponse de Monseigneur procédait tellement de la prudence de la chair que le cardinal ne crut pas devoir insister. Il venait de le tester et se rendait à l'évidence. Le nouvel Athanase était beaucoup plus encombrant que dangereux. Il suffirait de faire traîner les choses. Le temps les réglerait. 4. La résistance catholique trahie par Écône. Je l'ai rappelé plus haut. Comme nous, Monseigneur Lefebvre a été choisi par Dieu pour être, avec la grâce et l'autorité de l'épiscopat que Dieu lui avait conféré pour cela, le témoin de la vérité de sa parole en faveur de l'Église de Pierre. Dieu voulait qu'un évêque se lève pour abattre l'hérésie du 20e siècle, et c'est lui qu'il avait choisi pour cela. Car c'est ce témoignage que Dieu attend de nous. Il l'attend avant toute autre chose. Et c'est ce témoignage que votre fondateur a refusé de porter et que, à sa suite, vous refusez aussi. Comme lui, vous ne voulez pas dire clairement que, le Christ ayant prié pour que la foi de Pierre ne défaille point, sa prière a été exaucée par le Père. Comme lui, vous refusez de confesser que ces papes qui, depuis plus de 20 ans, enseignent officiellement des doctrines erronées, ne sont pas et ne peuvent pas être les vicaires du Christ. Comme lui, vous n'avez pas le courage de la foi pour montrer que ces papes ont fait la preuve qu'ils n'étaient pas revêtus de l'autorité pontificale. Comme lui, vous n'osez pas confesser que Dieu, en nous commandant de leur résister, manifeste qu'il ne les a pas agréés comme vicaires de son Fils. Ne pensez pas que je sois en train de faire un plaidoyer pour quelque opinion personnelle. Il vous suffirait de réfléchir calmement sous le regard de Dieu, qui nous jugera comme il a déjà jugé Monseigneur Lefebvre, pour constater que telle est la réalité. De toutes les erreurs de Vatican II, quelle est donc celle qui domine? Ne voyez-vous pas que c'est celle que je viens de signaler? Qu'il s'agisse de la liberté religieuse ou du bouleversement de la liturgie, de l'Église corps mystique du Christ, de l'œcuménisme, du communisme ou de n'importe quelle autre nouveauté de Vatican II, la condamnation de chacune de ces erreurs se trouve clairement exprimée dans les documents pontificaux. Mais ces documents ne font autorité qu'autant que l'on admet qu'ils proviennent de celle qui est vraiment Mater et Magistra, Omnium Ecclesiarum. C'est là que gît l'hérésie du 20e siècle. On ne veut plus de ce dogme. On refuse de recevoir cet enseignement pour ce qu'il est, la règle prochaine de la foi. C'est là l'erreur dominante, le crime capital des papes de Vatican II. Gagnés eux aussi à l'hérésie du 20e siècle, ils se sont parjurés comme les évêques. Comme pour ces derniers, il n'y a plus chez les papes, entre guillemets, de Vatican II, communion de l'intelligence avec leurs prédécesseurs. Mais, au fait, dans votre fraternité, n'êtes-vous pas contaminé par la même hérésie? Acceptez-vous loyalement l'infaillibilité du magistère ordinaire? Écoutez ce qu'en dit Pie XII. Citation.
Ce magistère de l'Église, entre parenthèses, il s'agit de l'enseignement donné dans la forme ordinaire, fin de la parenthèse. Ce magistère de l'Église doit être pour tout théologien, en matière de foi et de mœurs, la règle prochaine et universelle de la vérité, car le Christ Seigneur lui a confié tout le dépôt de la foi, Écriture sainte et tradition, à garder, à défendre et à interpréter. Il ne faut pas estimer non plus que ce qui est proposé dans les encycliques ne demande pas de soi l'assentiment, puisque les papes n'y exercent pas le pouvoir suprême de leur magistère. À ce qui est enseigné par le magistère ordinaire s'applique aussi la parole, citation, « Qui vous écoute, m'écoute ». Fin de citation. Conclusion. Monseigneur Lefebvre aurait-il compromis son salut éternel? Je m'excuse auprès des lecteurs qui n'appartiennent pas à votre fraternité de vous poser brutalement cette question. Comme ils vont le constater, elle n'est pas de vaine curiosité. Avant d'y répondre, je tiens pourtant à faire quelques remarques. Première remarque. Comme tous les mortels, Mgr Lefebvre a comparu au tribunal de Dieu et il a été jugé par celui qui est tout autant la justice infinie que l'infinie miséricorde. Deuxième remarque. Son éternité est désormais irrévocablement fixée. Tout ce que l'on peut rappeler, même de gravement pécamineux dans son comportement et dans ses propos, n'a pas plus le pouvoir de changer le jugement de Dieu déjà rendu. Que les louanges les plus grandes que vous lui décernez et la canonisation anticipée qu'en ont fait ceux qui le tiennent pour un saint, homo enim videt ea quae parent dominus autem intuetur cor. Troisième remarque. Puisque son sort est irrémédiablement fixé, pour quelle raison soulever la question que je pose? Auriez-vous oublié, diront certains, la recommandation des anciens, des mortuis nisi bene? Ce dicton est un dicton païen inspiré par la crainte. Certains pensaient que les morts se vengeaient de ceux qui disaient du mal d'eux. Mon propos n'est pas de dire du mal de Mgr Lefebvre pour le plaisir. Mon propos est de rappeler ce qui, au regard de la foi, a pu compromettre le salut de son âme. Ainsi, ceux qu'il a entraînés dans ses erreurs seront informés et pourront se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard pour eux. N'oublions jamais le mot de l'apôtre, citation, « De Dieu, on ne se moque pas », fin de citation, dans Épître aux Galates, chapitre 6, verset 7. Quatrième remarque. Quant au salut éternel de Monseigneur, même s'il a refusé sciemment l'appel de Dieu pour la confession de la foi, même s'il a pensé et agi de façon coupable aux yeux de Dieu, sauf révélation divine à contrôler par l'Église, personne ne peut savoir ce qui s'est passé dans le secret de son âme avant qu'il l'ait rendu à son Créateur. Voilà pourquoi l'Église, qui n'ignore pas que le jugement appartient à Dieu seul, s'est toujours interdit de se prononcer sur la damnation de qui que ce soit, fût-ce de ses plus cruels persécuteurs. Par contre, elle n'a jamais hésité, de leur vivant et après leur mort, à dénoncer les erreurs professées par quiconque, fût-ce par ses fils, même si par ailleurs ils ont pu être méritants. Toujours, elle a voulu que ceux qui avaient eu connaissance de leurs erreurs puissent porter sur elle un jugement saint, éclairé par la foi, et qu'ils se gardent ainsi de leurs conséquences éternelles. Qu'il soit donc bien entendu que, dans tout ce que je vais dire, il ne s'agira que de ce qui aura pu compromettre le salut éternel de Mgr Lefebvre, et non du jugement que Dieu lui a rendu. Cinquième remarque, le Seigneur m'en est témoin. Je souhaite ardemment que, dans sa grande miséricorde, Dieu ait reçu l'âme de votre fondateur et, depuis son décès, j'ai prié pour cela. Ces précisions étant apportées,
Voici les raisons qui permettent d'être très inquiet au sujet du salut éternel de Mgr Lefebvre. Première raison d'inquiétude, son refus de confesser la foi. S'il est conscient, le refus de confesser la foi est un péché grave contre cette vertu. Or, la foi théologale, vous le savez comme moi, se perd par un seul péché mortel contre elle. Citation. Car, enseigne Léon XIII, telle est la nature de la foi que rien n'est plus impossible que de croire ceci et de rejeter cela. En conséquence, ajoute le pape, celui qui, même sur un seul point, refuse son assentiment aux vérités divinement révélées, très réellement abdicte tout à fait la foi. Fin de citation, Satis Cognitum. Il peut arriver qu'on nie une vérité révélée, indirectement et sans même s'en douter. La bonne foi de celui qui affirmerait ainsi une erreur, sans se rendre compte que son affirmation nie indirectement une vérité révélée, l'excuserait du péché d'hérésie. Mais, vous devez le savoir aussi, l'ignorance invincible n'est jamais retenue comme cause excusante quand elle porte sur le devoir d'État. La connaissance de la doctrine fait partie du devoir d'État du prêtre, a fortiori de l'évêque, du professeur de théologie et du supérieur religieux. Celui qui est dans cette ignorance a négligé de s'instruire, a fortiori quand il a refusé d'être corrigé de son erreur. Par ailleurs, vous le savez aussi, ce ne sont pas les individus qui choisissent de confesser la foi. C'est le Christ qui les choisit et qui leur en donne la raison. Ut fructum afferatis et fructus vester maneat. Parmi les fruits qu'il attend d'eux, il y a le témoignage Eritis Michi Testes et la fidélité à sa vocation. Rappelez-vous l'histoire du jeune homme riche. En la commentant, les pères soulignent combien il est périlleux pour le salut éternel de se refuser au choix de Dieu. Comme je l'ai déjà rappelé, nous avons été choisis non pour nous opposer seulement aux hérésies du temps passé, déjà condamnées, mais pour nous opposer au bouleversement de Vatican II, à l'hérésie du 20e siècle. Alors que Satan a reçu de Dieu l'autorisation de cribler comme du froment l'Église de son Fils, de s'y introduire jusqu'au plus haut sommet, voire la salette. Alors que Rome perdra la foi et sera le siège de l'Antéchrist. Alors que presque tous les hiérarques ont cessé d'être en communion d'intelligence avec l'Église de Rome, Église de Pierre, qu'ils se sont donnés de nouveaux maîtres à penser et qu'ils enseignent ces doctrines que nos pères n'ont jamais connues. Alors que, citation, l'abomination de la désolation s'est installée dans le lieu saint, fin de citation, et a bouleversé tout le patrimoine de l'Église. Dieu veut que nous portions témoignage de sa parole en faveur de l'Église de Rome, Église de Pierre. Dieu veut que nous affirmions notre foi à la face du monde. Cette Église, et elle seule, n'a jamais failli et ne faillira jamais. Cette Église, et elle seule, est garantie de toute errance, car dans la pensée du Maître, elle est « Mater et Magistra Omnium Ecclesiarum ». C'est sur son enseignement, sur sa doctrine, sur son culte qu'il nous faut aligner les nôtres si nous voulons que le Christ nous reconnaisse pour sien. Voilà la volonté de Dieu sur nous. Voilà le témoignage que nous devons porter. Voilà ce à quoi Mgr Lefebvre s'est refusé avec obstination. Voilà le témoignage qu'il n'a pas voulu rendre. Et pour se dérober à cette volonté de Dieu sur lui, il n'a reculé ni devant les plus scandaleuses contradictions, ni devant les inventions doctrinales les plus aberrantes, ni devant les silences les plus coupables. Souvenez-vous de sa volte-face après sa lettre du 6 octobre 1978 aux cardinaux et après l'élection et les déclarations de Jean-Paul II, de son pape Janus, alternativement antichrist et vicaire du Christ, de son libre examen imposé à tous les fidèles qui doivent juger
de la conformité et de la non-conformité de l'enseignement du pape avec la tradition, de sa négation pratique de l'infaillibilité du magistère ordinaire universel de l'Église, de la possibilité pour lui de voir l'Église donner à ses fils un rite de la messe qui met leur foi en danger, de sa théorie qui suppose que, de fait, le Christ prête son concours à la destruction de l'Église en conservant comme vicaire et en continuant d'être avec, soit le responsable de l'œcuménisme négateur de nos dogmes jusqu'au plus ferme de notre religion. Hors de la foi catholique, personne ne peut être sauvé. Soit l'organisateur de la comédie blasphématoire et sacrilège d'Assise, soit l'instigateur de la visite amicale aux dirigeants de la synagogue de Rome, qui tiennent toujours notre Seigneur Jésus-Christ pour un blasphémateur reus mortis. Non seulement Mgr Lefebvre s'est refusé au témoignage pour lequel Dieu l'avait préservé et choisi, mais encore, au mépris de toute justice et de toute charité, il a chassé de sa fraternité ceux de ses fils qui portaient ce témoignage. Et il s'est aussi séparé publiquement des vrais résistants, allant jusqu'à les discréditer en leur accolant les termes péjoratifs de « désobéissant », « d'ultra », de « schismatique », de « sectateur » animés de zèle amer. Comme pour bien montrer qu'il rompait vraiment avec nous, il est allé jusqu'à permettre que vous tentiez de détruire nos centres de culte en les vidant de leurs fidèles. Enfin, en empêchant Mgr de Castromaillère, le jour des sacres, de dire publiquement à Écône que le Saint-Siège était vacant d'un pape vraiment pape, d'un pape revêtu de l'autorité de Pierre. Pour ma part, au sujet du témoignage de la foi, je n'hésite pas à dire, et je serais heureux que vous me prouviez le contraire, qu'après Paul VI, qui a tout détruit dans l'Église, après ses successeurs qui ont codifié sa révolution d'octobre, personne n'aura fait autant de mal à l'Église que Mgr Lefebvre en divisant, en libéralisant et en stérilisant la résistance catholique. Certes, je le reconnais, détruire le patrimoine de l'Église est quelque chose de très grave. Mais, convenez-en, diviser la résistance à la subversion, la neutraliser en la libéralisant, tirer sur ceux qui osent confesser que les destructeurs de la foi catholique ne peuvent pas être vraiment papes, c'est quelque chose d'aussi grave, puisque c'est se faire le complice actif des destructeurs. Deuxième raison d'inquiétude, son mépris pour quiconque ne pensait pas comme lui. C'est là, à mon sens, un des principaux travers de son caractère. Il pourrait bien avoir été à l'origine de sa défaillance dans la confession de la foi. Mgr Lefebvre n'a jamais pris conseil qu'auprès de gens qui pensaient comme lui. Jamais il n'a supporté, ne serait-ce que pour écouter leurs objections, ceux qui étaient d'un avis contraire au sien, même pour les questions aux conséquences les plus graves. Déjà en 1970, pour la première réunion d'études doctrinales que j'organisais à Tours, il m'avait annoncé qu'il n'y participerait pas si j'y invitais M. l'abbé Raymond Dulac. Cette mentalité sectaire lui avait dicté son comportement avec ceux qui le quittaient, citation, « désormais, plus de relations avec eux, c'est fini. » Fin de citation. Vous connaissez, je pense, l'histoire de la Vulgate de Sixte Quint. Pour en réviser la traduction, ce pape avait nommé une commission de spécialistes qu'il présidait. Comme il était le pape, il pensait avoir, de ce fait, plus de lumière que ses conseillers. Aussi, entendait-il imposer son point de vue pour chaque difficulté et ne supportait-il aucune contradiction? La conséquence ne se fit pas attendre. Ses conseillers se contentèrent d'approuver sans aucune critique. Sa traduction se trouva émaillée de tant d'erreurs que son successeur s'empressa de la mettre au pilon. Cet exemple, en nous rappelant que le pape lui-même n'est pas dispensé d'écouter ceux qui ne pensent pas comme lui, nous éclaire sur les conséquences du travers de Mgr Lefebvre.
Lui aussi ne choisissait ses conseillers que parmi ses admirateurs. Lui non plus ne supportait pas d'être contredit. Quoi d'étonnant, dès lors, à ce qu'il ait abouti, lui aussi, à un résultat qui n'est pas catholique. Pourtant, ce ne sont pas les avertissements qui lui ont manqué. Sans parler de ceux qui ont eu pour lui la même charité. Vous savez combien de fois je lui ai cité le texte d'Ézéchiel, chapitre 3, versets 17 à 21, sur la nécessité que j'avais de l'avertir, puisque je le croyais dans l'erreur. Jamais, jamais il n'a seulement écouté ce que j'avais à lui dire. Troisième raison d'inquiétude, son manque de charité. Pour lui, normalement, je devais être dans l'erreur, et je le lui avais signalé. Or, errer sur des questions de foi ne pouvait que compromettre mon salut éternel. Il se devait donc de me reprendre, d'autant plus que je le lui demandais. Pour l'inciter à le faire, je lui rappelais chaque fois le même texte d'Ézéchiel. Jamais, jamais, il n'a exercé cette charité à mon endroit. Je n'étais pas le seul exclu de sa charité. Les fidèles, égarés de bonne foi dans la nouvelle Église, l'étaient également. Vous savez mieux que moi toutes les démarches qu'il a faites auprès de son, entre guillemets, son pape. Dans quel but? Non pas pour obtenir que les nouveaux rites qui exposent les fidèles au danger de perdre la foi soient interdits partout, mais uniquement pour obtenir, pour sa seule fraternité, l'autorisation de conserver les anciens. Comment avait-il pu prendre son parti de voir les nouveaux rites qui font perdre la foi conservés pour les autres? Avait-il reçu de Dieu quelque dispense d'aimer les autres? Saint Jean est formel. La pierre de touche la plus certaine de la sincérité de notre charité pour Dieu, c'est l'amour du prochain. Citation. Celui qui prétend aimer Dieu, qu'il ne voit pas, et qui n'aime pas son frère qu'il voit, celui-là est un menteur. Fin de citation. Et saint Paul nous assure que nos œuvres les plus brillantes, nos tribulations, nos vertus, tout cela ne nous est d'aucune utilité pour notre salut si nous n'avons pas la charité. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. Quatrième raison d'inquiétude, le mépris de la parole de Dieu. Reconnaître la légitimité des papes de Vatican II, c'est reconnaître que le Christ en a fait ses vicaires et les a investis de son autorité. Dans le même temps, malgré l'ordre et la menace de l'Esprit-Saint rapportée par saint Paul, résister publiquement et avec obstination aux ordres les plus formels de ces papes, passer outre à leur défense expresse et mépriser ostensiblement leurs sanctions, alors qu'elles ont été légalement promulguées, n'est-ce pas mépriser la parole de Dieu, attirer sur soi sa malédiction et compromettre sérieusement son salut éternel? Je pourrais rappeler d'autres raisons d'inquiétude sérieusement fondées. Je préfère en rester là. Je vous l'ai dit plus haut, je souhaite ardemment que votre fondateur ait pu se ressaisir et rétracter toutes ses fautes avant de rendre son âme à Dieu. L'a-t-il fait? Nous l'apprendrons au jour du jugement. Jusque-là, respectons le secret de Dieu. Par contre, nous pouvons et vous devez prier pour que Monseigneur l'ait fait, car, vous devez le savoir, devant Dieu, il n'est jamais trop tard pour la prière. Je terminerai donc cette lettre que vous m'avez contraint de vous adresser publiquement par un double avertissement. Primo, en continuant les mêmes errements que votre fondateur en essayant de justifier l'injustifiable, vous ne ferez qu'aggraver sa responsabilité devant Dieu sans diminuer la vôtre. Aussi, au nom de la piété filiale que vous lui gardez, je vous demande de réfléchir à ceci. Vous avez la foi et vous croyez que, pour le salut de son âme, Dieu a pu tenir compte des prières et des sacrifices que vous lui offririez post-mortem. Dans ces conditions,
Ne pensez-vous pas que vous avez là une obligation supplémentaire de prendre en considération ce que je vous ai écrit dans ma lettre? À moins que vous ne soyez capable de réfuter doctrinalement les raisons de foi qui fondent nos inquiétudes. Ne pensez-vous pas que la piété filiale vous fait une obligation de ne pas reculer devant la difficulté que vous aurez à surmonter pour reconnaître qu'avec lui, vous vous êtes trompé? Loin de manquer à la piété filiale, la reconnaissance des erreurs paternelles l'exprime bien mieux que l'endurcissement dans ses errements. Segundo, si le sort de votre fondateur est irrémédiablement fixé, le vôtre et le mien ne le sont pas encore. Or, sur ce qui conditionne le salut éternel, il y a entre vous et moi non pas divergence, mais opposition de contradiction. Ce qui veut dire en clair que si vous êtes dans la voie du salut, je n'y suis pas. Si j'y suis, vous êtes engagé dans une voie de perdition. Au dire d'Ézéchiel, chapitre 3, 17 à 21, vous avez à mon endroit, comme moi je l'ai envers vous, un grave devoir de charité fraternelle à exercer. En vous adressant cette lettre publique, je crois avoir amplement satisfait à cette exigence de la charité. Aurez-vous le courage d'en faire autant à mon égard? En effet, ne pouvant pas ne pas croire à la sincérité de vos convictions, pour vous je suis nécessairement engagé dans l'erreur. Et si je venais à me perdre, écoutez ce que vous dit Dieu par le prophète. Sanguinem vero eius de manutua requiram. Que le cœur douloureux et immaculé de Marie, que le grand Saint Joseph, père virginal de Jésus et patron principal de l'Église, vous obtienne de notre Seigneur Jésus-Christ la grâce de ne pas vous abuser par vos succès faciles. Méditez Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23. De ne pas vous endormir dans votre incohérence et de comprendre que Dieu, qui tire le bien du mal, aura permis vos erreurs pour que votre conversion soit plus glorieuse pour lui et plus profitable au salut éternel de votre fondateur. Père Noël, Barbara.